Yo les gars, c'est Rectam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment jouer sur Android avec vos amis PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One, pardon. Comme vous le savez les gars, par défaut, il faut savoir que lorsque vous jouez seul sur Fortnite Android, vous n'affronterez que des joueurs de votre plateforme. Ainsi, lorsque vous jouez donc sur Android, vous n'affronterez que des gens qui jouent également sur leur smartphone, donc pas de problème d'équilibrage. Lorsque vous intégrez à votre équipe une autre plateforme, vous passez alors sur les plus grands serveurs accueillant des joueurs de tout horizon, ainsi que vous affronterez directement des joueurs PC, PS4, Nintendo Switch. L'équilibrage n'est pas le focus. Si vous jouez sur mobile, vous serez forcément moins bon qu'un joueur PC. Mais n'oubliez pas cela. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que vous jouiez vraiment avec vos amis. Car les gars, je ne vais pas vous mentir que si vous jouez en solo face à des joueurs PC ou même PS4, ça va être vraiment très compliqué. Bref, donc déjà les gars, je vais vous montrer comment faire pour donc activer la multiplateforme, on va dire, avec vos amis seulement. Donc déjà les gars, il faut tout simplement ajouter vos connaissances dans votre liste d'amis Epic Games. Pour cela, vous cliquez sur l'icône amis en haut à droite. Dans la fenêtre s'ouvrant, pardon, il vous suffit de taper sur l'icône de jouer avec un plus, puis de taper le pseudonyme de la personne avec laquelle vous souhaitez jouer. Attention, il s'agit du pseudonyme de son compte Epic Games qu'il a créé pour jouer au jeu et non de son compte Google. Une fois celui-ci trouvé, une invitation lui sera envoyée et il devra l'accepter. Et voilà, une fois votre invitation acceptée, vous pourrez retrouver au même endroit vos amis et savoir s'ils sont connectés au jeu ou non. Désormais, les amis, je vais vous montrer comment jouer avec vos amis de toute plateforme. Donc les gars, vous avez désormais vos connaissances dans votre liste d'amis sur Fortnite Battle Royale. Il ne reste plus qu'à jouer. Pour cela, rien de plus simple. Lorsque vous êtes dans le salon, à l'entrée du jeu, vos amis disponibles pour un groupe s'affichent automatiquement. Si vous en avez plus encore, il vous suffit de les sélectionner dans la liste d'amis vue plus haut. Pour les inviter à rejoindre votre groupe, il vous suffit de cliquer sur leur nom. Une invitation leur sera directement envoyée. Lorsqu'elle est acceptée, vos amis apparaîtront alors dans les cercles libres de votre interface. Notez qu'à côté de leur pseudonyme s'affiche leur plateforme de jeu, comme le logo de la Nintendo Switch, par exemple à l'image. A l'inverse, lorsque vous êtes invité à rejoindre une partie, une notification s'affiche sur le côté gauche de l'écran et sur votre salon, il vous suffit de cliquer dessus pour rejoindre le groupe. Notez qu'en haut à droite s'affichent les informations du serveur qui vous indiqueront sur quel serveur vous jouerez selon votre groupe. Ainsi, dans l'exemple, le groupe que vous pouvez voir est composé d'un appareil Android et d'une Nintendo Switch qui jouera sur le serveur multiplateforme accueillant tous les appareils sans distinction. Voilà, donc les gars, je vous ai à peu près du coup résumé comment jouer sur votre Android avec vos amis, qu'ils soient sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, oui, ou PC. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce qui allait, si ça vous a plu, ou bien même ce qui allait pas, pour que j'améliore les points qu'il faut améliorer. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner en activant pendant la cloche des notifications, c'est super important pour faire avancer la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour aider par exemple des connaissances que vous connaissez. Et puis les gars, n'hésitez pas non plus à aller checker mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rectime, à très vite.